Bonsoir à tout le monde, soyez bénis. J'ai un direct très puissant que je prépare, dans lequel je vais parler du président Harry Colombédier et du président Laurent Gbagbo. Et ce direct-là, peut-être que si je le fais cette nuit, il sera trop tard. Non, je le fais demain peut-être. Mais ce soir, j'ai envie de prier avec mes frères. J'ai envie de prier avec quelqu'un, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, je veux que tu sois là. La preuve, je vais mettre la fatia pour commencer, pour prouver à mes frères musulmans qu'il n'y a pas de parti pris, et après je vais mettre le Notre Père. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amen. Je mets le Notre Père après. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. C'est un zoom. C'est un télescope. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai mis la fatia exprès parce que j'ai des frères musulmans qui suivent, qui nous suivent, qui croient que souvent on est contre les musulmans. Souvent, ils croient que on est contre quelqu'un parce qu'il n'est pas chrétien. Moi, personnellement, hein, je ne sais pas pour les autres. Je ne sais pas pour les autres. Mais moi, personnellement, je n'ai rien contre les musulmans. Je n'ai rien contre l'islam. Je n'ai rien contre quelqu'un. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu pour pouvoir juger une religion. Je ne suis pas Dieu pour juger la foi de quelqu'un. Parce que Dieu lui-même n'a pas créé de religion. C'est l'homme qui a créé les religions. Même nous qui sommes chrétiens, les Blancs sont venus nous prendre en esclavage. Dans cet esclavage-là, ils nous ont donné la Bible. Ils sont venus nous coloniser. Mettez les cœurs, partagez mon direct. S'il vous plaît, partagez. Dans cette colonisation, ils nous ont donné aussi la Bible. Pendant qu'ils nous faisaient du mal, pendant qu'ils nous tuaient, pendant qu'ils mettaient nos parents dans des cages, pendant qu'ils traitaient nos parents moins que des animaux, ils nous ont donné la Bible. Ils nous ont donné la Bible. Pourtant, nous avons nos ancêtres. Nous avons nos ancêtres qui connaissaient Dieu. Ils ont dit à nos ancêtres que leur manière d'adorer Dieu là, c'est pas bon.
Bon, on nous a envoyé Jésus-Christ. Moi, je crois en Jésus parce que j'ai eu des preuves. Si je n'avais pas eu des preuves avec Jésus, je serais en train de faire autre chose. Et on a la Bible, mais la Bible a été diluée. La Bible a été diluée. Même les frontières qu'on est en train de dire, je suis Burkinabé, et lui là il est malien, lui là il est sénégalais, lui là il est Burkinabé, lui là il est togolais, tout ça. Ce sont ces mêmes blancs, ces mêmes colons là. Ce sont eux qui nous ont divisés. Il dit, toi tu t'appelles Togo, toi tu t'appelles Bénin, toi tu t'appelles Côte d'Ivoire, toi tu t'appelles Ghana, toi tu t'appelles. Ils nous ont mélangés. Aujourd'hui là, nous voilà, Africains, on est en train de s'entretuer. Les Chinois, ils ont leur religion. Eux-mêmes, les Blancs qui nous ont envoyé Jésus-Christ, là, ils ne prient pas Jésus-Christ. Ils ne vont pas à l'église. Les Blancs ne vont pas à l'église. S'ils vont à l'église, c'est à Noël. S'ils vont à l'église, c'est pendant la fête des morts, Toussaint. S'ils vont à l'église, c'est pour le peut-être le 31. Ils ne vont pas à l'église. Non. Donc, pourquoi je vais m'asseoir pour être contre mon frère musulman? Pourquoi je vais m'asseoir pour être contre mon frère catholique? Pourquoi je vais m'asseoir pour être contre mon frère évangélique? Dieu n'a pas créé de religion. Ce sont les hommes qui ont créé la religion. Mais c'est Dieu seul qui pourra nous dire qui était dans sa volonté. Et pour moi, la vraie religion, c'est l'amour, le pardon et le partage. La vraie religion, la vraie foi, l'amour, le pardon, le partage. Parce que nous péchons contre Dieu, Dieu nous pardonne. L'amour, la Bible dit que si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais, c'est en vain. L'amour, tout ce que tu fais avec haine. C'est-à-dire que si tu es musulman, tu es rempli de la haine. Tu es rempli, c'est-à-dire que tu tues ton prochain, tu n'aimes pas ton prochain, tu perds ton temps à la mosquée. Si tu es chrétien, tu as la haine, tu n'aimes pas ton frère. Tu ne fais pas du bien à ton prochain. Tu ne sais même pas pardonner un jour dans ta vie. Tu perds ton temps. Ce sont les hommes qui ont créé la religion. Pourquoi je vais détester les musulmans? Pourquoi? Il y a des musulmans qui m'ont fait du bien dans ma vie. Il y a des musulmans qui m'ont aidé dans ma vie. Qui a dit que Dieu s'occupe de nos religions? Dieu ne regarde pas nos religions. Nos religions-là, c'est pour nous faire du bien à nous-mêmes. Là où tu te sens bien, là, c'est là que tu restes. Si je me sens bien dans l'église catholique, je suis catholique. Je me sens bien en tant qu'évangélique, je suis évangélique. Je me sens bien en tant que musulman, je suis musulman. Dieu n'a rien à voir avec nos religions, hein. Détrompez-vous. Ceux qui pensent que leur religion va sauver quelqu'un, vous vous trompez. La religion ne sauve pas. Il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu n'a pas de sœur, il n'a pas de parents, il n'a pas de cousins, il n'a pas de frères. Il est unique. Il n'a pas de semblable. Il est esprit et il est le seul vrai Dieu. Quand tu respires, ça veut dire que Dieu se trouve en toi. Le jour où tu ne respires plus, Dieu est sorti de toi. Tu peux voir quelqu'un, un handicapé, tu vas dire qu'il est malade, il est vilain, il est handicapé. Mais Dieu se trouve en lui parce qu'il respire encore. Tu peux voir une personne, tu dis elle est vilaine, mais Dieu se trouve en lui. C'est pourquoi deux fois, il y a des anges qui ont pris la forme d'un homme, d'un mendiant. Ils ont pris la forme d'un fou pour venir tester certaines personnes sur la terre. Jésus lui-même a dit, deux fois vous dépassez des anges, mais vous ne savez même pas que ce sont des anges.
Parce que quand je vois quelqu'un qui est sale, qui est vilain, qui n'est pas propre, qui ne me ressemble pas, comment est-ce que je vais dire que Dieu est en lui? Aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui est propre, qui a la cravate, qui a un boubou blanc, qui a tout ce qu'il faut, je dis, oh, il est saint. Mais peut-être que c'est le plus démoniaque. Peut-être que quand il rentre chez lui, là, il enlève son costume, il enlève son boubou blanc, il enlève tout ce qu'il a. Peut-être qu'il va égorger des enfants. Peut-être qu'il va faire des sacrifices humains. Peut-être qu'il tue les gens. Mais celui que tu as vu, qui n'a pas le boubou blanc, qui n'a pas tout ce que tu veux là, quand tu l'as vu, pour toi, il n'est pas propre à tes yeux. Donc ce n'est pas un saint. Nos yeux physiques nous trompent sur le spirituel. J'aime mes frères musulmans. J'aime mes frères chrétiens. J'aime tout le monde, quelle que soit sa religion. Quand je fais les directs sur Facebook, je sais que ce ne sont pas les chrétiens seulement qui m'écoutent. Je sais que ce ne sont pas les chrétiens seulement qui m'écoutent. Il y a des païens qui m'écoutent. Il y a des mystiques qui m'écoutent. Il y a des musulmans qui m'écoutent. Il y a des chrétiens qui m'écoutent. Dieu m'a déjà utilisé pour aider des frères et des sœurs musulmans. J'ai des mamans, des femmes âgées musulmanes qui m'envoient des offrandes, qui me soutiennent. Il y a des familles musulmanes qui me soutiennent dans mon ministère. La femme qui a créé mon site internet, c'était une musulmane. Vous comprenez? Maintenant, si tu crois que le musulman est dans l'erreur, il faut prier Dieu pour lui. Si toi tu dis que tu es dans la vérité, ce n'est pas ta haine, ce n'est pas tes menaces, ce n'est pas tes attaques qui vont le changer. Vous avez compris? Maintenant, si tu crois que toi tu es dans la vérité, prie pour ton prochain là, pour qu'il connaisse ta vérité. Donc un musulman n'a pas le droit d'attaquer un chrétien. Et un chrétien n'a pas le droit d'attaquer un musulman. Nous devons prier et c'est dans l'amour que Dieu va nous orienter. C'est pourquoi je ne fais jamais de débat. Il y a certains qui m'ont approché deux fois. Oh, j'ai devant en train de dire cela. Qu'est-ce que tu penses? Je dis, ça ne me regarde pas. Il y a des gens qui ont en train de me dire, oh, il y a un groupe islamique, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Moi, pour moi, dans ma foi, Jésus est Dieu manifesté en chair. Ça, c'est ce que je crois. Si lui dit que ce n'est pas ça, je n'ai pas besoin d'aller faire un débat avec lui. Non. Non. Le débat que je vais faire avec lui, là, ça va changer quoi? C'est perdre notre temps. On va discuter. Chacun va aller de son côté. Je n'ai pas ce temps. Donc, chers frères et sœurs, quand je viens faire mes directs d'action prophétique, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu peux assister. La seule chose que moi je vais te dire personnellement, c'est que moi je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Moi personnellement, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je baptise au nom de Jésus-Christ. Je ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je baptise au nom de Jésus-Christ. Je crois que Jésus est Dieu manifesté en chair. De la manière que j'ai mon souffle de vie, Dieu a pris son esprit, il l'a mis dans le ventre d'une femme, il a fait une chair, il s'est mis dedans pour marcher parmi les gens et puis voir. Ça, c'est ma foi, c'est ma croyance. Peut-être que je suis dans l'erreur. Laisse-moi dans mon erreur. Mais mon erreur, là, me fait du bien. Mon erreur, là, ça me fait du bien. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur la terre aucun autre homme, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc, ça c'est ma foi. Hein? Je ne dis pas que quelqu'un d'autre qui ne fait pas ça, Dieu l'aime pas. Il y a des païens qui vont aller au ciel. Hein? La première personne qui a goûté le paradis, là, c'est un brigand.
avec Jésus-Christ là, la première personne qui est allée au paradis, c'est un brigand. Il a tué les gens jusqu'à, il était sur la croix. Et avant que Jésus soit là, sur la croix, avant que Jésus ne soit sur la croix, il y a un brigand qui s'appelle Barnabas qui a été libéré. Vous savez, la plupart des chrétiens qui parlent beaucoup là, je suis chrétien, je vais vous expliquer. La plupart des chrétiens qui parlent beaucoup, qui accusent les gens par l'apparence, tu es un sorcier, tu es un bishop, mais tu fais ça, tu es ceci. La plupart là, si Dieu peut ouvrir leur cœur pour vous montrer, ils sont plus que les sorciers qui poursuivent votre vie. L'église est remplie aujourd'hui de sorciers. Il y a des pasteurs sorciers, féticheurs. La chair sur laquelle ils se mettent pour prêcher là, ils ont tué des enfants bébés pour sacrifier sous la chair, pour avoir la foule de personnes. Aujourd'hui, c'est l'apparence qui trompe. C'est-à-dire que si je venais tous les jours, je suis en cravate, oh mes enfants, recevez la puissance. J'étais dans un esprit bizarre, on va dire, oh lui là, c'est un vrai homme de Dieu. Mais ce que je fais en cachette, personne ne peut le voir. Quand tu dis la vérité que tu es naturel, ça les dérange. On était en Côte d'Ivoire, rappelez-vous. Ils ont égorgé un chantre dans une église. Ils ont égorgé un chantre dans une église. Quel est le pasteur ou le bishop ou l'archibishop qui s'est levé en Côte d'Ivoire pour dire non, ça là ce n'est pas bon. On veut savoir ce qui se passe. Ils ont étouffé l'affaire. Ils ont étouffé l'affaire. Mais en réalité, ils savent. Nina Chérif, c'est ton seul commentaire que je te permets. Si tu écris un autre, tu quittes le direct. Je te bloque. Voilà. Parce que je ne veux pas te répondre. Si tu écris un autre commentaire, comme je ne suis pas ton camarade, un autre commentaire que je vois, à part ce que tu as écrit là, si je vois un autre, je te bloque. Tu peux aller ailleurs. Voilà. Sois béni. Un autre commentaire de ce genre, je te bloque. C'est tout. Si tu veux assister à ce direct, tu l'assistes. Mais si tu laisses un seul commentaire comme ça, je te bloque. Tu n'as rien à faire ici. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Donc, personne n'a ouvert sa bouche. Aujourd'hui, les gens jugent par l'apparence. Tu portes des bagues, pourquoi ils portent des bagues? Mais il y a quelqu'un qui ne porte pas des bagues. Mais peut-être que c'est le sorcier qui est en train de détruire ta vie là à côté de toi. Oh, lui là même, il est qui? On te juge par l'apparence parce qu'on veut te voir d'une manière. On veut te voir si tu n'as pas 10 000 gardes de corps, tu n'as pas 10 000 protocoles, si on ne chante pas ton nom, si tu n'es pas sur les pancartes, tu n'es pas un homme de Dieu. Alors qu'il y a des hommes de Dieu qui sont cachés dans vos campements. Il y a des hommes de Dieu qui sont cachés dans vos villages. Et ce sont des vrais hommes de Dieu. Mais on ne fait pas les publicités en ville. Hein. Mais Dieu les connaît. Il y a des chrétiens, je vais m'adresser aux chrétiens parce que je suis chrétien. Il y a des chrétiens. Voilà, au revoir. Merci beaucoup. Comme tu ne me croyais pas, dégage de mon direct. Voilà. Ça va te faire plaisir parce que je suis un homme de parole. Quand je parle, je le fais. Voilà, on ne te verra plus dessus ce direct. C'est fini. Voilà. Il y a des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens. Ils passent leur temps à juger. Mais ils ne peuvent pas prêcher l'amour.
Il y a des chrétiens qui n'ont jamais évangélisé quelqu'un dans leur vie. Mettez le cœur, je vais les prêcher. Ils n'ont jamais évangélisé. Ils n'ont jamais gagné une âme à Jésus-Christ. Ils n'ont jamais jeûné et prié pour la conversion de quelqu'un. Mais ils sont toujours en train de juger. Ils sont toujours en train de juger. Pourquoi tu parles comme ça? Et donc tu n'es pas ceci. Alors que si tu fouilles la vie, ce sont simplement des religieux. Des gens qui vont à l'église seulement. Dimanche, il va à l'église. D'autres même là, il y a des filles là. Façon le pasteur, la Maplo. Elle est dans le groupe musical. Elle a déjà voté au moins 40 fois. Tellement la Maplo. Tellement on la Maplo. On la Maplo. Elle a voté n'importe quoi. Surtout les filles que vous voyez qui ne respectent pas les serviteurs de Dieu là. C'est parce qu'elle a déjà vu testicule de pasteur. Il m'appelle anti-anormal. Moi, il ne prêche pas comme tout le monde. Hein. Les petites filles, vous voyez sur les réseaux sociaux qui souvent insultent bêtement des hommes de Dieu là. Elles n'ont plus peur des hommes de Dieu. Parce qu'elle a déjà vu les testicules de son pasteur. Parce qu'elle a déjà fait micro avec le tube de son pasteur. Parce qu'elle a déjà écarté. Et son pasteur est rentré dedans. Donc elle ne respecte plus. Ça est pour elle là. C'est son pasteur seulement qui est quelqu'un. Par lui, il est rentré dedans, il est sorti plusieurs fois. Je m'appelle Atia Norman. Moi, je ne prêche pas comme tout le monde. Je ne peux pas prêcher comme tout le monde. Pourquoi je vais prêcher comme tout le monde? Donc, elles n'ont plus de respect. Quelqu'un qui a déjà vu testicule de son pasteur. Quelqu'un qui a déjà mangé truc de son pasteur qui a pris pour faire micro. Quelqu'un que son pasteur est rentré dedans plusieurs fois, sorti plusieurs fois, elle va respecter qui encore? C'est eux-là, ils viennent sur les réseaux sociaux pour insulter les hommes de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas lire leur Bible. Ils ne connaissent aucun verset biblique. Ils ne savent même pas comment on jeûne. Ils ne connaissent aucune action prophétique. Ils n'ont aucun fondement biblique. Mais parce que le pasteur a écarté pour rentrer dedans, elles pensent qu'elles sont spirituelles. Et c'est elles qui sont sur les réseaux sociaux. Comme celles que je viens de bloquer. Même chose. C'est elles qui sont là. Et les gens passent leur temps à juger. J'ai fait exprès. J'ai mis la fatia. Au début de mon direct. J'ai mis la fatia. Je sais que ça va. Il y a des chrétiens qui vont dire, mais lui là même là. Il est musulman ou bien il est chrétien. On ne le comprend pas. Pourquoi il fait un direct et puis il met la fatia. Aouzou bilay. Il n'a chetan rajim. Bismillah ramani raim. Malik yomdin. Iyakan abudouwa yakan aslahim. Il dit, ça veut dire qu'ils sont là et puis ils se disent, mais lui là même, il est musulman ou bien il est chrétien. Il est sorcier ou il est féticheur. Il est marabout ou bien il est pasteur. C'est ça qu'on appelle la terre normale. Tu ne peux pas savoir. Donc ça les fait mal comme ça. Yeah. Le pasteur matin, il porte veste, cravate.
Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le premier qui s'avance pour donner ça, il est sauvé. Oh, je sais que tu vas aller au paradis. Viens toucher ma veste. Si tu as touché ma veste, tu es sauvé. Brouk, brouk, brouk. Si tu as touché... Oh, alléluia. Prêche, pasteur. Prêche, prêche, pasteur. Et quand tu ne fais pas ça, et que ton langage est différent de son mamailleur, de son mougousseur, ah, on se connaît. Groupe musical, on mougou. Service d'ordre, on mougou. Balayeuse d'église, on mougou. Protocole, on mougou. On se connaît. On se connaît. Et on se connaît. Non? Moi, quand je vois des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour faire, oh, toi-même, tu n'es pas serviteur. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, j'ai rigolé jusqu'à... Il dit, quand on parle des bishops là, on connaît les bishops, et puis il a cité des noms que je ne vais pas citer ici. J'ai rigolé jusqu'à... Il dit, hey, si tu connaissais ces personnes, si tu savais de qui tu parles, si tu savais, oh, si tu savais les noms que tu as cités là, si on te donnait le dossier et que tu voyais le vrai dossier, tu allais dire, oh, si elle savait, il n'allait pas dire leur nom. Mais on juge par l'apparence. On est aveuglé. Mon peuple périt par manque de connaissance. J'ai mis la fatia. J'ai fini de parler. Maintenant, je vais parler. Maintenant, je vais mettre le Notre Père. Et puis, on va commencer le direct. Je vais prier un peu pour vous ce soir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, j'ai mis le Notre Père. Notre Père, là, c'est rapide, c'est pas compliqué. Salut, je suis Marc, votre père. Excusez-moi. On lance une version Marc, SPF 30. Marc parle trop dans mon direct. Le Notre Père, c'est pas compliqué, c'est fini. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, la gloire. Voilà. C'est-à-dire que on est... Moi, je ne jugerai jamais quelqu'un. Parce que si Dieu me jugeait, je ne serais même pas la personne que je suis. Les péchés que j'ai commis dans ma vie, si Dieu voulait me juger, oh, était derrière moi. Et c'est moi qui ai venu m'asseoir pour dire non, lui-là, il n'est pas évangélique, donc il est perdu. Le mal même, le mal qu'on m'a fait plus dans ma vie, ce sont les évangéliques qui m'ont fait. Donc comment tu peux venir me dire que parce qu'on est évangélique, on va au paradis. Or pour moi-même là, les évangéliques là, démon même qui est rempli dedans. Actuellement, pasteur sorcier, on ne peut pas compter. Hein? Pasteur mougousseur, on ne peut pas compter. Hein? Pasteur, il y a Shingom dans ton rein. Shingom dans ton rein. Shingom dans ton rein. Il y a Shingom dans ton rein. Shingom dans ton rein. Shingom dans ton rein. Il y a Shingom dans ton rein. 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 Les pasteurs, les prophètes, Shingom dans les reins. Yeah! Il y a beaucoup, hein? Il y a beaucoup, oh! Il y a beaucoup, oh! Féticheurs, on ne peut pas compter. Sorciers, on ne peut pas compter. Basseurs, on ne peut pas compter.
Mais ils sont tous en cravate, ils se ressemblent. Ils sont tous en cravate, veste, soutane, propre, nickel. Tu ne peux pas savoir qui il est. C'est nous là. Nous, on vient s'asseoir et puis on est naturel et puis on crie, on ne parle pas. On dit, oh, toi, tu es mauvais. Toi, tu es un marabout. Toi, tu es un fils. Quand ils me voient comme ça, un chapeau là, ils ont vu Boubou là déjà. Oh, lui là, c'est un sorcier. Mais moi, j'aime ça. J'aime trop le mystère. J'aime trop le mystère. Yeah! Atia normal. J'aime le mystère. Ça me plaît même. Donc, chers frères musulmans, vous êtes les bienvenus sur mon direct. Chers frères musulmans, vous êtes les bienvenus sur mon direct. Les chrétiens qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à partir. Mes frères en Christ chrétiens aussi, vous êtes les bienvenus sur mon direct. C'est tout. Voilà. Et puis, ceux aussi qui viennent et puis disent, tu es un pasteur, pourquoi tu parles de politique? Eux, c'est des hypocrites. Parce que c'est eux qui soutiennent Makassa Makassi, quand il parle de politique, c'est eux qui soutiennent les faux imams qui parlent de politique, c'est eux qui soutiennent les pasteurs qui défendent les mêmes causes qu'eux. Donc, eux, c'est des hypocrites. Donc, pour eux, là, oh, je ne m'en occupe pas. Parce que je sais qu'ils sont hypocrites. Ce qu'ils auraient aimé, c'est que je sois dans leur camp pour parler pour eux. Et je ne vais jamais le faire. Donc, pour eux, je suis un faux pasteur. Donc, ça, là, je prends ça. Ce n'est pas grave. Je prends. Je sais dans quoi je me suis mis. C'est comme ça. Ah. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous faire peur. J'ai commencé mon direct. J'ai prié pour vous. J'ai vous fait peur. Avant de continuer le direct, comme déjà mon maîtresse de féticheur, de mystique et tout ça, et que j'aime ça, je vais rentrer dans mon domaine. Je m'appelle Atia Noma, je suis un père du sacerdoce. Alors, tous ceux qui me suivent, est-ce que vous connaissez cette plante? Il y a d'autres qui appellent ça la plante de Jéricho, d'autres appellent ça la main de Salomon. Et puis, cette plante, on appelle quatre côtés. Ceux qui connaissent ça, parce que tout ce que Dieu a créé a de la vertu. Tout ce que Dieu a créé a de la vertu sur la terre. Il faut juste connaître. Ceux qui connaissent ça, si tu veux que je te montre une action prophétique pour t'ouvrir les portes, pour t'amener la grâce et la prospérité, cherche-moi ces plantes. Si tu as ça, même si tu n'as pas ça et que tu as ça, contacte ma secrétaire ou écris sur WhatsApp, envoie-moi un audio, je vais te répondre. Si tu as ça, que tu n'as pas ça, envoie un message sur WhatsApp, contacte ma secrétaire, je vais te donner une orientation. Voilà, c'est un cadeau que je fais. Voilà, c'est un cadeau que je fais. La nature que Dieu a créée a de la valeur. Les médicaments que tu prends à la pharmacie, là, ce sont des plantes. Les médicaments que tu prends à la pharmacie, Doliprane, là, c'est des plantes. Nivakine, c'est des plantes. Tout ce que tu prends là, c'est des plantes. Et c'est Dieu qui a créé la nature. Donc, pour commencer le direct, voilà les deux plantes. Je vais faire quelque chose pour quelqu'un. Celui qui a ça, tu m'appelles, je vais t'expliquer. Celui qui a ça, tu m'appelles, je vais t'expliquer. C'est fini, c'est pas compliqué. Avant de continuer, j'ai fait une publication où j'ai parlé de mon site. Vous pouvez aller sur le site. Vous allez sur la boutique, il y a ce qu'il faut. Vous pouvez voir aussi des prédications, des choses sur le site. Il y a ma chaîne YouTube, abonnez-vous aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la page, abonnez-vous sur la page. Que Dieu vous bénisse. La publication est sur Facebook, sur ma page. Il y a toutes les références. Vous pouvez cliquer dessus, vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, ce soir, je voulais t'aider. Je vais te parler comme si j'étais en train de te coacher et puis je vais prier. Je vais parler à une personne. Je ne suis même pas venu prêcher. Est-ce que tu connais l'histoire de David et Goliath? Est-ce que tu as vu la forme de David? Est-ce que tu as vu la taille de David? Est-ce qu'on t'a parlé de la taille de Goliath?
Il y a quelqu'un qui a demandé le nom de la plante. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Sois béni. Je vais répéter après. Pour le moment, il faut me laisser prêcher. Est-ce que tu as vu la taille de Goliath? La Bible déclare que Goliath était immense. Et la même Bible déclare que David était un enfant, un petit. Mais qu'est-ce qu'un enfant peut faire contre un géant? J'ai mon fils qui a 15 ans. Il est grand de taille comme ça, il me dépasse. Vous l'avez déjà vu dans certaines photos. Son sport préféré, c'est MMA. Il fait MMA. On lui a dit de faire rugby, il ne veut pas. On lui a dit de faire basket, il ne veut pas. Tout ce qu'on lui a proposé, il ne veut pas. Il dit que c'est MMA, lui, il veut faire. Donc, ça fait presque un an, il fait du MMA. Il est grand comme ça. Il n'a que 15 ans, il me dépasse. Moi, je chausse 43, 44, lui, chausse 46. Un jour, je lui ai dit, ah, mon fils, viens, on va s'entraîner un peu. Je dis, oh, je veux qu'on mette un peu les gants, on va faire un peu de... Hein, comme tu fais du MMA, je sais qu'il y a la bosse dans MMA. On va s'amuser un peu. Et puis, il a mis les gants. J'ai des gants à la maison. Je lui ai donné les gants. Moi aussi, j'ai pris les gants. Et puis, on a commencé. Au début, j'étais tranquille. Je le laissais me taper un peu. Pas. Il était là, il me tape. Il est là. Je fais style, je me protège. Je suis là, je rigole. Il tape. À un moment, il a commencé à esquiver, puis je suis rentré bas. Mais doucement, hein, c'est un enfant, je n'ai pas le cogné. J'ai commencé à esquiver, il a mis bas. Il me relève un peu, mais il percute. J'arrive, je mets, il percute, je tourne, je reviens en haut. Je fais, il est essoufflé. Au moins, il veut venir, il bloque. Après, il me bas. Ça veut dire que j'ai fait des enchaînements. Il est là, il est bas. Bon. À un moment, il a commencé à fuir. Il dit, mais viens, on va s'amuser. Il a dit, oh papa, tu es trop rapide pour moi. Mais lui, il fait MMA. Il est plus jeune que moi. Moi, je suis un vieux. Pour moi, là, c'était une chose d'avant, là. Peut-être ça vient un peu dans ma tête de temps en temps. Mais lui, il est dedans même. Le petit a fui. Il est parti. Vous voyez? Il s'est retrouvé devant une situation où il se disait, ah, le vieux là, si elle ne m'échappe pas. Et puis, sa maman lui dit, tu as la chance qu'il n'y a pas coup de tête dedans. Parce que ton papa, sa tête là, on dirait caillou. Parce que, quand on s'est connu au début, avant notre mariage, il y a quelqu'un qui m'a provoqué un soir. Je lui ai donné un coup de tête. Kilométrage qu'il a fait avant de s'asseoir quelque part là. Elle n'a jamais oublié ça. Elle dit ta tête là. Donc, on cassait, on éteignait les poteaux électriques avec notre tête. On boit jusqu'à, hé, gars, ma vie, bah! Et puis, on met la tête. On cassait les bouteilles sur notre tête. On est là, on boit jusqu'à quand on a fini de boire là. On ne veut plus payer. On sait qu'on ne peut pas payer là. Hein? On sait qu'on ne veut pas payer. Hein? Oh, vraiment, vous là, on est sérieux ici. On vote à dos là. Vous croyez que on mange à dos, on chie à dos, on pisse à dos, on prie à dos. À dos là, si c'est devenu votre Jésus-Christ ou bien votre Mahomet, c'est pas notre problème. Arrêtez de nous emmerder avec votre à dos là. Oh, vraiment. On ne peut pas prier tranquille. Bientôt, on va aller à la mosquée, on ne va plus dire Mahomet, c'est à dos, on m'a dit. On va à l'église, on ne va plus dire, mais laissez-nous, on est en train de prier. Partout, on parle, tu es ado. Ah, tu es venu. Ici, là, qui parle d'ado ici? Laissez-nous tranquille. Ah! On dirait qu'on vous a envoûté tellement, ça ne peut plus sortir de votre cerveau. On est en train de prier, là, de parler de prière. Toi, tu es ado. Il n'y a pas ça ici. Laissez-nous. Allez-y. Oh! Donc, on cassait les bouteilles de bière là sur notre tête. Bon. Quand on casse comme ça là, le barman même là, il est frais et puis on sort, on ne paye pas, on s'en va.
Dans la tête du vieux même est dur. Donc la maman dit, tu as la chance qu'il n'y a pas coûté dedans. Ton papa même, il devrait faire MMA. Par MMA, il y a pied, il y a poing, il y a tête, il y a tout ce qu'on veut dedans. L'enfant est parti. Ce jour-là, j'étais le Goliath de mon fils. Mais mon fils faisait MMA. Il a des techniques que moi, peut-être, je n'ai pas. Si l'enfant était resté là, tous ceux qui mettent le nom Ado dans ce direct, je vous bloque. C'est que vous ne respectez pas Dieu. Voilà. Ado Amina Rabi, allez, dégage. Tous ceux, même si tu n'as rien dit de mal, tu mets le mot Ado dans ce direct, plus jamais tu vas assister à un de mes directs. C'est fini. Donc, j'étais son Goliath. L'enfant devrait seulement avoir le courage. Il devrait se dire, ah, le vieux là, c'est avec moi, il attend des jours. Et puis, il est plus grand que moi. Il devrait même ne pas s'approcher de moi. Il devrait être loin. Quand tu es grand là, il faut faire les allonges. Il ne faut pas t'approcher. C'est quand tu es petit que tu t'approches. Donc, l'enfant n'a rien compris. J'étais son Goliath. Mais il pouvait me mettre peut-être à la manne. Mais l'enfant a préféré fuir. Après, je l'ai appelé. J'ai dit, mon fils, tu as vu ta taille? Tu as vu tes bras? Quand tu combats avec quelqu'un qui est petit comme moi, reste au loin. Ne le laisse pas s'approcher de toi. Reste au loin. Tu fais des allonges. Ta gauche là, c'est pour le chasser. Ta gauche, tu le chasses. Faut pas, il va s'approcher. Partout où il va, tu mets la gauche. Quand tu vois, il est bien placé, tu mets la droite. Bah! Quand tu vois, j'ai commencé à lui expliquer. Et puis, il dit, ah, papa, merci, tu m'as appris quelque chose. Mais il était son Goliath. Souvent, nous avons fui notre Goliath. Souvent, nous avons fui devant notre Goliath. Or, notre Goliath était là pour changer notre destinée. Notre Goliath était là pour changer notre vie. Notre Goliath était là pour changer notre histoire. Si David n'avait pas affronté Goliath, l'histoire de David n'aurait pas changé. Vous savez pourquoi? David était dans les champs. Il tuait le lion. Mais on ne savait pas qui était David. David était dans le champ. Il tuait l'ours. On ne savait pas qui était David. David était dans le champ. Il tuait des serpents. On ne savait pas qui était David. David était dans le champ. Il s'est battu avec le lion. Jusqu'à il a tué le lion avec sa main. Mais on ne savait pas qui était David. Il fallait que David puisse rencontrer Goliath. Il fallait que David puisse affronter Goliath. Il fallait que David puisse tuer Goliath pour que l'histoire de David apparaisse aux yeux du monde entier, de génération en génération. Tu n'as pas besoin de fuir ton Goliath. Ton Goliath est l'épreuve. Ton Goliath est l'épreuve qui vient déstabiliser ta vie. Ton Goliath est l'épreuve qui vient déranger ta vie. Ton Goliath est celui qui vient se présenter devant toi. Excusez-moi un instant, je fais une parenthèse. Je parle aux vrais enfants de Dieu, je fais une parenthèse. Franchement, je sens que les gens qui suivent Alassane Draman Ouattara souffrent actuellement. C'est une parenthèse. Fatima de Bamba. Regardez des personnes. Excusez-moi, c'est une parenthèse. Hein. Voilà une femme. Peut-être qu'elle a un mari, on n'a pas de mari. Elle a des enfants. Au lieu de s'occuper de son foyer, de sa vie,
elle voit direct d'un monsieur qu'elle n'aime pas. Tellement que ma bouche leur fait du mal, elle a oublié qu'elle a des choses à faire. Elle est assise sur le direct, en train de laisser un commentaire. Vous ne voyez pas un peu comment ces personnes souffrent? Vous ne voyez pas un peu la souffrance? Regardez, regardez la, comment elle est habillée. Regardez, elle est. Elle s'appelle Fatim de Bamba. Elle a porté voile, comme une vraie musulmane. Peut-être qu'elle est mariée, peut-être qu'elle n'est pas mariée, peut-être qu'elle a des enfants, peut-être qu'elle n'a pas des enfants. Elle a des responsabilités. Au lieu de se concentrer sur ses responsabilités, regardez, elle est assise, en train de laisser des commentaires sur les directs de prière qui ne sont même pas musulmans, parce qu'elle est musulmane. En temps normal, si c'était des musulmans qui faisaient des prêches, elle serait en train d'écouter des messages sur le Coran qui allaient l'aider, des prêches. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ça, c'est un... C'est-à-dire, c'est chrétien. Mais elle est sur le direct, avec ses voiles. Avec son voile, hein. Tu la vois, sa photo de profil, tu dis qu'elle est sainte. Au lieu de s'occuper de ce qu'elle va faire pour ses enfants, de son mari et tout, tellement qu'elle a mal, que ce monsieur-là, sa bouche a révélé trop de choses, elle est sur le direct. Elle écoute ma prédication. Hein. Elle écoute. Elle fait comme si elle n'écoute pas. Elle écoute. Oh. Ça rentre dans ses oreilles. Ça rentre dans son cerveau. Ça rentre dans son... Et puis en même temps, tellement elle a mal. Toi là, tu vas dire que tu es pasteur. Toi comme ça, tu dis que tu es pasteur. Un pasteur comme ça. Ça. Vous voyez un peu la souffrance des gens. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Mais c'est Satan qui les envoie. Parce que Satan croit que quand il va faire ça, je vais laisser la prédication. Et puis je vais commencer à les insulter. Et puis je vais me distraire. Je vais laisser mon message. Je vais laisser ce que je suis venu faire. Et puis il va commencer à m'occuper. Oh, ma soeur, si tu souffres, vraiment je vais prier pour toi, que Dieu t'aide. Ton mari a besoin de toi. Si tu n'as pas de mari aussi, on doit prier pour que tu aies un mari. Si tu as des enfants, ils ont besoin de toi. Si tu as des problèmes, ce n'est pas de ma faute. Je vais t'aider. Si tu veux, je vais t'aider dans la prière. Mais ton comportement prouve que tu souffres. T'assois la nuit, quelqu'un que tu n'aimes pas, et puis tu as ton téléphone dans ta main, tu es en train d'écouter sa voix, on dirait que c'est l'imam de ta mosquée. Il te prêche, tu écoutes sa prêche, et puis en même temps, tu laisses commentaire. Ça là, vraiment, si ce n'est pas souffrance, quelqu'un ne peut pas faire ça. Que Dieu t'aide. Ton Goliath, vient pour élever ta destinée. Ton Goliath est le preuve qui t'amène à te faire connaître. Je prends l'exemple très simple de Fatima. Fatima l'a voilée. Fatima l'a voilée. Elle est voilée. Peut-être qu'elle est divorcée, elle est mariée. Ou bien si elle est mariée, elle n'a pas encore eu. Ce n'est pas grave. Bon, on va parler de Fatima. Voilà un autre. Voilà. Lui, c'est un enfant. C'est un petit. C'est un enfant. Il a pris le téléphone de son papa. Et puis, il est en train de... Bon, il a faim. Ce n'est pas grave. Lui, je ne le regarde même pas. Voilà. Donc, il y a des enfants. Quand les enfants racontent des choses... Donc, imaginez, si ces personnes n'étaient pas là pour m'insulter. Imaginez, si ces personnes n'étaient pas là pour me maudire, pour attaquer mes pages, pour partager mon direct à leurs amis. Oh, voilà un bâtard, il est en train d'insulter, voilà celui-là, il est en train de faire. Imaginez s'ils n'étaient pas là. Qui allait faire grandir mon nom? Eux, ils pensent qu'ils sont venus me faire du mal. Oh, Dieu les utilise pour élever mon nom. Ils pensent qu'ils m'attaquent. Mais ça là, ce téléphone, tu ne peux pas rentrer dans ça
pour venir me voir. Ce que tu as dit dedans là, je peux supprimer, je peux effacer, je peux te bloquer. Donc ce que tu as fait, ce n'est pas important. Mais ces personnes sont mes Goliaths. Tu as des Goliaths dans ta destinée. Il ne faut jamais avoir peur d'affronter ton Goliath. Ton Goliath est là pour élever ton nom. Elle est partie où, Fatima? Fatima l'a voilée. Tu es partie où? Fatima. Moi, je t'aime. Oh. Donc, parce que je t'ai dévoilé, tu as fui, quoi. Je ne t'ai pas bloqué. Viens. Fatima, Naya, viens. Viens m'insulter encore au pardon. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes injures. S'il te plaît. Sabali Akala Koso, viens. Viens m'insulter. Voilà. Viens m'insulter. Fatima, Sabali. Faut pas partir vite comme ça. Oh, comment tu vas faire? Viens, s'il te plaît. Je ne vais plus parler de toi. Viens, Fatima, viens. Nanani, viens t'asseoir. Viens, Sabali Akala Koso. Elle est où? Fatima est partie où? Fatima, viens quand même. Donc, ils sont là-bas et puis ils se disent, on va faire ça, on va faire ça. C'est comme les sorciers. Les sorciers sont là et puis ils disent, je vais l'attaquer, je vais l'empêcher de se marier, je vais l'empêcher de voyager. Mais ce qu'ils font là, c'est pour ton élévation. Et je vais apprendre à quelqu'un aujourd'hui. Je vais annoncer à une personne, attends, j'ai enlevé mon chapeau. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui. Je vais annoncer à quelqu'un. Les ennemis qui sont dans ta vie ne sont pas là pour te nuire. Dis-moi amen fort. Applaudis chez toi et dis-moi amen. Je dis que les ennemis qui sont dans ta vie sont là pour ton élévation. Les ennemis qui sont là dans ta vie, sont là pour ton élévation. Si tu ne peux pas rencontrer un Goliath dans ta vie, si tu ne peux pas affronter ton Goliath, ton nom ne grandira jamais. Bon, moi, peut-être que actuellement mon Goliath, c'est à la salle Ouattara. Prêcher au lieu d'être sérieux. Oh, Seigneur, excusez-moi, c'était pas prévu. C'était pas prévu, pardon, excusez-moi. Peut-être que... Peut-être que moi, tiens, normal. Mon Goliath, c'est à la salle. On sait jamais. Quand David a vaincu Goliath, son histoire a changé. Je ne voulais pas parler de lui, hein. Je vous assure, dans mon direct de prière, là, je ne voulais pas dire le nom de quelqu'un. Ce sont les gens qui ont commencé à me commenter. Ce sont les gens qui sont venus me provoquer là. Oh my God.
J'arrive pas à arrêter. J'arrive pas à arrêter. J'arrive pas. Je vais arrêter, pardon Seigneur, aide-moi. Aide-moi, pardon. Aide-moi. C'était pas prévu, pardon. C'était pas prévu, pardon. Pardonnez-moi. Bon, j'étais en train de prêcher tranquillement. Il y a des gens, moi-même je ne pensais pas à Ado, je ne pensais pas à la salle, je ne pensais même pas à... Tellement qu'ils sont bêtes, ils sont venus me provoquer comme ça pour rien. Jusqu'à le monsieur là, son nom est sorti dans ma prédication, alors que je ne pensais même pas à lui. Aïe, quoi, j'étais juste en train de... Donc, la prédication change un peu, quoi. La prédication change un peu. Bon, avant d'être sérieux. Donc, peut-être que, moi, mon Goliath, c'est Ado. Alassane Ouattara. Peut-être que c'est lui, mon Goliath. Donc, si j'arrive à l'égorger... Bon, allez, on va se calmer. Moi, je vous dis tous les jours, il y a un temps pour tout. On est en train de prier. Vous venez encore dans prière, là, Ado, pendant 2000, jusqu'à 2060. Ado puissance, tu es un faux pasteur. Dans prière là encore. On est en train de prier. Vous nous envoyez Ado dans la prière. On parle de Jésus. Vous nous envoyez Ado dans la fête de Jésus. On parle de Saint-Esprit. Vous nous envoyez. Hey! Donc voilà la prédication qui a changé maintenant. On fait comment? Oh. Donc. Que le Seigneur m'aide. C'est vous qui provoquez tout ça là. Le monsieur, il est chez lui tranquille. Je suis en train de prêcher, prier. Vous venez mettre son nom dans la prédication. Ado même là, il souffre aussi. Hein? Ah! Vous faites jusqu'à Ado est devenu mon Goliath dans la prédication. Alors que je n'avais même pas prévu ça. Fatima, elle est où Fatima? Naya, tu as vu ce que tu as provoqué? Je n'avais même pas pensé à Ado dans la prédication. Je suis venu là. C'est pour parler de Dieu. On prie. On dort tranquille. Fatima s'est levée. Fatima dit, tiens, pauvre pasteur. Le cousin de Fatima dit, Ado jusqu'en 2060. Vous avez... Donc, quand vous envoyez... Le monsieur, demain, il est fatigué. Ado même, il est celui-là. Il cherche à dormir à l'heure là. Vous prenez son nom. Vous venez mettre dans la prédication. On est en train de prier. Voilà, il est devenu mon Goliath. On va faire comment? On va faire comment maintenant? Maintenant là, peut-être que je devrais penser à... Mon Goliath devrait être la pauvreté. Mon Goliath devrait être l'échec. Mon Goliath devrait être les épreuves de la vie. Mon Goliath devrait être les sorciers. Mon Goliath devrait être les mystiques. Mais vous avez fait, je les ai laissés. C'est Adon qui est devenu mon Goliath dans ma prédication. Ça là, c'est vous qui avez provoqué. C'est vous qui avez provoqué. Laissez le monsieur se reposer aussi. Quand nous, on le laisse, laissez-le. On ne parle pas de lui, laissez-le. C'est bon. On sait que vous l'aimez. Ah. On sait que vous êtes envoûté. Ah. Et Fatima, tu es où? De la manière que Fatima est venue parler de Ado ici, là, je suis sûr qu'elle ne parle jamais de son mari comme ça. Son mari même là, celui qui l'a doté là, elle ne peut pas parler de lui comme ça.
Et d'autres, ils n'ont jamais parlé de bien de leur propre papa qui les a mis au monde. C'est quel envoûtement, ça. On est en train de prier. C'est comme si tu rentres à l'église, les gens sont en train de prier, et puis tu rentres à l'église, ado. On dit, oh, invoquant le Saint-Esprit. Oh, ado, va être président pendant 2080. Invoquant le Saint-Esprit. Regardez-moi des pasteurs comme ça, c'est ado seulement qui essaie. Ah! Adama, on peut faire ça. Vous prenez le nom du monsieur là, vous envoyez partout. On est dans WC, vous nous envoyez. On est dans toilette, vous nous envoyez. On est dans douche, on prie, on a la mosquée, on se lave. Après, vous dites pourquoi on ne l'aime pas. Mais c'est vous qui prenez son nom pour nous suivre partout, non? Oh, arrêtez ça. Ici, là, on est venu pour prêcher. Maintenant, Fatima est partie. Fatima, il faut rester là. Écoute le message. Écoute la prédication. Reste là, je vais te prêcher un peu. Tu crois qu'il allait t'insulter? Satan t'a envoyé pour qu'il t'insulte. Satan. Donc, quand il a commencé à rigoler, là, Satan a compris que son truc, là, n'a pas marché. Hein. Oui. Quand c'est toujours, je vais insulter les gens, quoi. Donc, moi, je suis devenu machine à insulter. Reste là, on va prêcher devant. Frères et sœurs, vous avez des Goliaths dans votre vie. Voilà, moi, on vient de me donner un Goliath ce soir. On m'a donné Alassane Draman comme Goliath. Dans ma prédication, je ne pensais pas à lui. Mais les adhérents, là, les gens qui ne réfléchissent pas, qui devant des problèmes, ils ne savent pas comment régler. Toi, tu es une femme, tu es chez toi, peut-être tu n'as pas marié. Au lieu de penser à ça, ou bien tu as ton mari, même il est sorti actuellement, il est en train de faire quelque chose ailleurs, dans un petit hôtel. Il a déjà tapé au moins 5 coups, 3 coups, 4 coups. Tu as vu où il est là, là? Il est fatigué. Quand il va rentrer, c'est juste pour dormir. Ou bien, de toute façon, tu as tapé, voilà. Tu as deuxième femme qui arrive. Tu as troisième femme qui arrive. Ton mari, il n'est pas pour toi seul. Tu as plein de soucis, tu n'as pas fini de régler. On est en train de prier Jésus. Tu viens prendre affaire d'Ado pour déposer dans notre affaire de Jésus. Maintenant, Ado est devenu mon Goliath. Or, dans ma prédication, moi, je ne pensais pas à lui. Parce qu'il n'est pas tout le temps dans ma tête quand même. Ce n'est pas tout le temps que je pense à lui. Il faut le laisser se reposer, ce monsieur. Chaque être humain a le droit de se reposer. Laissez-le souffler. Laissez-le dormir. Laissez-le se reposer. Ne prenez pas. C'est-à-dire, laissez son nom un peu tranquille. Laissez le nom d'Ado tranquille. Laissez-le. Il est fatigué. Laissez-le souffler un peu. S'il vous plaît. C'est pardon. Moi-même, je vous demande pardon pour Ado. Je vous demande pardon pour Ado. Abe Sabari. Abe Adoto. Abe. Il n'a qu'à dormir. Il n'a qu'à se reposer. On le fatigue trop. C'est pas facile d'être président. Ce n'est pas facile d'être président. On le fatigue. Laissez-le se reposer. Il y a un temps pour tout, Abbé Sabari. Là, là, c'est la prière. Vous m'avez donné Ado comme Goliath. Je vais l'accepter ce soir. De la manière que David a égorgé Goliath. Bon, je ne vais pas dire que je vais égorger Ado. Parce que là, là, ça va devenir comme si je suis un assassin. Donc, je vais arrêter la phrase. Et arrêtez la phrase. Vous avez voulu me donner comme Goliath, mais je le mets à côté. Vous ne connaissez pas Atia normal. C'est un esprit. On n'a qu'à aller troubler sa prédication. On n'a qu'à aller comme ça, il va laisser ça là, il va nous insulter. On n'a qu'à aller maintenant. Atalami, Abemi, venez. Venez me donner Ado. David était devant Goliath. Goliath était géant. Goliath peut être l'épreuve qui te fatigue aujourd'hui. On t'a dit que tu ne te marieras pas. Ça veut dire que ton Goliath là, c'est le célibat. On t'a dit que tu ne vas pas enfanter. Ton Goliath là, peut-être que c'est la stérilité. Ton Goliath pète la pauvreté. Ton Goliath pète le chèque. Ton Goliath pète le blocage. Ton Goliath pète un mystique, un sorcier. Ton Goliath pète n'importe qui. Ton Goliath même peut être Ado. Oh my God, Seigneur, aide-moi. Je m'aime trop.
Est-ce que tu vas fuir ton Goliath? Est-ce que tu vas t'enfuir? Si David avait fui Goliath, son histoire ne serait jamais connue. Son nom ne serait jamais dans nos bouches aujourd'hui. C'est parce que David a affronté Goliath. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur destinée parce que ces personnes n'ont pas eu le courage d'affronter leur Goliath, d'affronter leur épreuve. Il y a une épreuve qui s'est présentée dans ta vie. Tu as vu cette épreuve, tu as eu peur de cette épreuve, tu as dit que c'était trop difficile pour toi. Les gens vont se moquer de moi, les gens vont parler contre moi, les gens vont rire si je n'arrive pas à l'exécuter. Les gens vont dire ça et tu as vu cette épreuve, tu as vu cette épreuve. Et cette épreuve-là était l'épreuve qui devrait changer ta destinée. Voilà, moi je suis assis ici. On m'a donné l'épreuve. On m'a donné l'épreuve. Moi, mon épreuve qu'on m'a donnée. On lui a donné un nom. On dit Ado. Mais j'ai pris. Pourquoi je ne prends pas? J'ai pris. C'est une épreuve. Eh. Si on dit que c'est mon Goliath, je vais accepter. Pourquoi je fuis mon Goliath? Fuis pas ton Goliath. Fuis pas ton épreuve. C'est par cette épreuve que ta Eh, hey, Fanta, hey, comment elle s'appelle? Aïcha. Elle s'appelait quoi? Fatouma. Elle est partie où? Viens, je te prêcher. Je suis ton Goliath aujourd'hui. Reste là, faut m'écouter. Fatouma, elle est où? Fatouma, Naya, je suis ton Goliath. Tu ne peux pas fuir ton Goliath. Tu dois affronter ton Goliath. C'est en affrontant ton Goliath que ta destinée va changer. Bon, comme ils sont venus me donner à dos, je vais aller au Mali. Parce qu'on m'a parlé des ados. C'est à cause de Mali, actuellement, tous les moutons des ados m'en veulent. Donc, dans ma prédication aussi, je vais aller au Mali. Je vais prendre un exemple au Mali. Ah, tiens, normal. Ah, tiens, blanc, hein. Vous savez pourquoi j'aime Assimi Goïta? Parce que Assimi Goïta, c'est un David. Oh, malabro, que ça n'est mal au prix. Ça, c'est vous qui m'avez provoqué. Oh. J'étais en train de prêcher mon message tranquille. Depuis là, j'ai fait action prophétique. Je suis parti. Vous êtes venu me donner un Goliath qui s'appelle Ado. Donc, ma prédication a un peu changé. Maintenant, je m'en vais au Mali un peu. Je reviens dans la prédication. Mais je vais au Mali pour donner un exemple là. Assimi Goïta, c'est un David. Un David qui est en face de plusieurs Goliaths. Goliath France. Goliath les Gadis. Goliath Alassane Dramane Ouattara. Goliath la CDAO. Goliath. Mais il est posé. Et puis j'aime trop sa démarche. Quand il marche, ça me rappelle vieux patapata. Quand il marche, il est comme ça. Il est prêt à décravater. T'as, le premier qui veut être pas à brou. Attends. Quand il regarde, il dit, hey, voilà un mort, je suis trop fan de lui. Un David devant des Goliaths. Combien d'Africains, combien de chefs d'État africains ont eu peur de l'Occident en sachant que ce qu'ils vivent là, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ils savent qu'ils sont méprisés. Ils savent qu'ils sont. Leur peuple souffre. Ils savent que ce n'est pas bon pour eux. Mais ils sont cachés comme des tortues dans leur carapace. Ils n'osent même pas agir. Et tu vois un jeune homme comme Assimi Goïta dans son décalement. La démarche d'Assimi Goïta, c'est une démarche. Franchement, hein, c'est une démarche. Moi, j'ai commencé à apprendre ça. Il marche comme ça maintenant. Quand il marche là, et ma main est comme ça, puis ma, un côté comme ça. Je suis fan de lui. Hein. Je l'aime. Hein. Franchement, je l'aime. Cette femme-là, il a tout fait.
pour être sa 40e femme, ou bien sa 50e, ou sa 10e, sa 3e. Je suis fan de lui. Et des masses de mort. Son caractère, son comportement, son silence, sa manière d'affronter tous les Goliaths qui viennent devant lui. Le gars pouvait se dire, ça rendra en fait ça. Il dit non. Je suis né pour mourir, je suis devant la situation et la faute. Actuellement, là, tout le monde chante son nom. Asimi Goïta. Il y a une femme même qui a chanté. Asimi Goïta. Comme moi, il ne sait pas chanter. Moi, je ne peux pas chanter aussi. Mais ça, là, quand ça va finir, tu vas voir son nom va sortir dans coupé décalé. Son nom va sortir au Congo. Ils vont faire du roukas, roukas avec son nom. Son nom va sortir dans reggae. Il est en train d'affronter ce Goliath. Mais les losers, ils prennent des enveloppes, ils cachent ici et puis ils disent, ouais, tuez mes frères, tuez-les, c'est pas grave, tuez-les. Il dit, moi, je ne fais pas ça. Frère, quand vous m'avez envoyé le dossier d'Ado dans mon direct de prière, je suis obligé d'aller au Mali parce que c'est l'actualité. C'est à cause de ça que vous êtes venu m'insulter dans le direct de prière. Non? Donc, on mélange les deux, quoi. Maintenant, elle est partie où, la fille, là? Elle est partie où, même? Elle est partie où, là? Tu as bien commencé, puis tu t'en vas un coup comme ça. Faut rester là. Est-ce que je t'ai insulté? Je t'ai pas insulté. Je ne t'ai pas insulté. D'habitude, quand on vous insulte, là, vous restez longtemps. Cette fois-ci, là, je ne t'ai pas insulté. J'ai commencé à parler avec toi comme quelqu'un parle à sa soeur. Et puis toi, tu fuis. Reste là. Affrontez vos Goliaths, frères et sœurs. Quand Dieu permet qu'il y ait une difficulté devant toi, c'est que Dieu sait que derrière cette difficulté, il y a une bénédiction qui est cachée. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Partagez, dites amen. Quand Dieu met une preuve devant toi, Dieu sait que par cette preuve, si tu arrives à affronter cette preuve, ton histoire va changer. Il y a des gens à qui on a refusé le visa une fois. Ils ont essayé une deuxième fois. Ils ont essayé une troisième fois. Un jour, ils ont eu le visa. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Suisse. Leur vie a changé. Mais s'ils avaient baissé les bras, ils ne seraient pas en train de vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Il y a des femmes à qui on a dit, tu es vieille, tu as la ménopause, tu ne peux pas avoir mari, tu ne peux pas avoir d'enfant. Elles ont prié, elles ont eu la foi. Aujourd'hui, elles ont leur mari, elles ont leur enfant, leur vie a changé. Il y a des gens qui sont sortis d'une famille pauvre. Personne n'a réussi dans leur famille. On leur a dit, tu ne vas jamais réussir. Mais aujourd'hui, ils sont milliardaires, ils sont millionnaires. Leur vie a changé. La vie n'est pas facile. Si tu cherches la facilité dans la vie, tu vas être hypocrite. Tu vas être menteur. Tu vas te suivre. Tu n'auras pas d'identité. Si tu veux avoir une identité dans ce monde, il faut accepter les épreuves. Mais si tu passes ton temps à fuir les épreuves, combien de jeunes filles aujourd'hui sont devenues prostituées? Parce qu'elles ont peur des épreuves de la vie. Combien de jeunes filles se mettre sur le goudron à qui on donne 20 000, 25 000, 50 euros. Quelqu'un sent mauvais, il vient. Quelqu'un est malade, il vient. Quelqu'un a le sida, il vient. Elles livrent leur vie parce qu'elles ont peur des épreuves de la vie.
Elle préfère la facilité. Elle préfère aller se mettre quelque part. La facilité. Donc, elle préfère te prostituer. Certains ont des licences. Certains ont des diplômes. Mais pour affronter l'épreuve du travail, se lever le matin pour aller chercher du travail, parce qu'on lui a refusé le travail quelque part, parce qu'on lui a refusé le travail quelque part, elle se dit, c'est pas la peine. Je mets mon dossier quelque part. Je mets mon diplôme quelque part. J'ai des fesses, j'ai des seins. Je vais me livrer. Et n'importe qui vient profiter d'eux. Elles font des avortements. Et le jour qu'elle a un mari, elle cherche des enfants. Elle ne peut plus avoir d'enfants parce qu'elle a détruit son corps. Si tu as peur d'affronter les épreuves que Dieu met devant toi, ton nom n'apparaîtra jamais. Ton histoire ne changera jamais. Ta destinée ne changera jamais. Même parmi vous qui me suivez, je sais Dieu depuis plus de trentaine d'années. Il y en a donc parmi vous qui ne me connaissez pas. Je suis sur Facebook depuis 2010. Il y en a parmi vous qui n'avez jamais entendu parler de moi. Mais quand Dieu a mis une preuve devant moi et qu'il m'a dit, défends ton pays. Il m'a dit, combat pour la vérité. Beaucoup d'entre vous m'ont connu. Quand Dieu m'a dit, le Mali est en train de vivre une injustice. Défends le Mali. Et que j'ai ouvert ma bouche pour le Mali. Beaucoup d'entre vous m'ont connu. Mais ça ne veut pas dire que c'était facile pour moi. Parce que j'ai été injurié. Deux fois, je me lève le matin. Je vois un message. Le premier message que je vois. Tu es maudit, je te maudis jusqu'à toi, tu vas voir, je maudis ton papa, je maudis ta maman. Deux fois tu vois des messages, je vais te faire ceci, tu es vilain, tu es ceci. Ta maman, ton papa, même si ça ne me dit rien, vous croyez que c'est intéressant de se lever comme ça tous les jours. Et puis des gens de moins que rien, deux fois c'est des enfants sales sales. Des petits microbes, des enfants qui ont faim, des drogués, des malheureux. Ils sont dans des endroits et puis ils sont là, ils ne te connaissent pas. Ils sont en train de t'insulter bêtement, même si ça ne me dit rien. Mais c'est mon Goliath que Dieu m'a donné. C'est mon Goliath. C'est mon Goliath. Ça n'a jamais été facile pour David. Quand David a vu Goliath, David a été rejeté par ses frères. L'armée a rejeté David. Le roi Saül l'a laissé tomber. On se moquait de lui. On disait, voilà un enfant bête qui va se faire tuer aujourd'hui. Nous, on est des soldats. Nous, on est plus forts, on est plus grands que lui. On se cache. Un enfant bête comme ça, le voilà, il va se faire tuer. Ils ont traité David de tout. Ses propres frères n'avaient pas confiance en lui. Même le roi lui a dit, toi là, toi petit comme ça, t'es sûr. Goliath l'a insulté. Goliath lui a dit, toi un enfant, un bébé comme ça, il y a des gens plus costauds que toi, ils ne peuvent pas rester devant moi. Vous croyez que c'était facile pour David? Ce n'était pas facile pour David. Il fallait ne pas écouter ce que les gens disent. Il fallait ne pas considérer les injures. Il fallait ne pas considérer les moqueries. Il fallait ne pas considérer les jugements.
Aujourd'hui, il y a des gens même qui ne me connaissent pas. Ils viennent s'asseoir. Tu es un faux pasteur. Pourtant, ils ne m'ont jamais vu. Ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas quelle est mon alliance avec Dieu. Mais à cause de mon Goliath, j'ai droit à ces injures. Je dois les affronter. Il y a des gens qui vont me dire des choses parce qu'ils ont envie de me faire mal. Sorcier, féticheur, toi comme ça là. Mais quelle injure, je n'ai pas entendu. Ta pie ne s'élève pas. C'est à cause de ça, ta femme t'a quitté alors que ma femme est ici. Moi-même, il y a des femmes même qui veulent me marier. Je leur dis, non, qu'à attendre, que je ne suis pas encore devenu musulman, je suis chrétien. Ou bien, je vais aller voir Jésus, il va me baptiser d'abord, et puis on va régler ça. Je rigole un peu, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Je pourrais me lever un matin et dire, les injures là, c'est trop. Franchement, ma vie n'est pas en sécurité. Les gens, non. Mais chaque jour, il y a une force en moi qui me dit, tu as ton Goliath, combat-le. Tu as ton Goliath, combat-le. Tant qu'il n'est pas tombé, tant que ton Goliath n'est pas terrassé, ton nom ne peut pas apparaître. Frère, tant que ton Goliath te résiste, tu dois avoir le courage. Il y a même des gens qui sont venus me dire, oh, ça là, je vois tes commentaires tous les jours. Tu es un faux prophète. Tu as prophétisé que Alassane va mourir. Il n'est pas encore mort. Bon, moi, ce qui me plaît dans l'histoire, ce sont les mêmes personnes qui disent que Alassane va rester jusqu'en 2060. Ils souhaitent que Alassane vive éternellement. Ça me fait bizarre, quoi. Ça veut dire qu'en réalité, ils veulent qu'ils vivent. Ils aiment Alassane. Ils veulent qu'Alassane vive éternellement. Prado à vie. Et les mêmes personnes, comme je ne sais pas ce qu'ils ont dans le cerveau, mais tu n'as pas dit qu'Alassane va mourir. Tu n'as pas... Donc, ça veut dire que leur vœu et leur souhait, c'est qu'Alassane meurt. Je ne comprends pas quoi. Des fois, je me demande comment le cerveau de certaines personnes est fabriqué quoi. Tu dis que tu aimes quelqu'un. Tu veux qu'il vive, il vive longtemps. Et puis, quelqu'un peut-être a dit un jour qu'il a vu qu'il est tombé, il va mourir. Dieu merci. Des prières ont été faites. Des sacrifices ont été faits. Des actions ont été faites. Ce n'est pas arrivé. Peut-être que c'est la personne-là même qui est venue le sauver. Parce que quand il a dit ça, là, les gens ont fait des choses parce qu'ils ont vu que ça venait. Ils ont sauvé la personne. Au lieu de venir dire merci. Eh, merci mon frère. En tout cas, grâce à toi, on a fait des sacrifices et tout. Le monsieur, il vit encore. Il vient, il dit, toi, tu es un menteur. Tu n'as pas dit qu'il va mourir. Donc, en réalité, tu souhaites sa mort. C'est-à-dire que si ma parole s'était accomplie, là, c'est-à-dire que, et puis il était dans le tombeau, là, c'est fini. Donc, bon. Des fois, les gens ne réfléchissent pas trop. Donc, on ne peut pas changer le cerveau de tout le monde. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que des fois, les gens, même pour vouloir te faire du mal, ils vont dire des choses même qui les condamnent eux-mêmes. Ils vont dire des choses qui ne les arrangent pas. C'est comme quelqu'un qui vient se mettre là et puis il insulte ta mère. Bon, en réalité, même quand il est en train d'insulter ta mère là, il a sa maman aussi qui est là. Il a sa maman qui est là. Quelqu'un qui vient, sa première parole qui sort de sa bouche, c'est ta maman et l'insulte. Il a sa maman qui est là. Quelqu'un qui t'a jamais donné à manger, il ne sait même pas comment tu vis. Et puis il dit, je te maudis. Mais c'est des paroles en l'air. Tu ne peux pas maudire quelqu'un sur qui tu n'as aucun pouvoir.
Tu as faim. Lui, il a mangé. Tu ne peux pas le maudire. Tu es pauvre. Il est riche. Tu ne peux pas le maudire. Vous n'avez pas le même sang. Ce n'est pas ton frère. Tu ne l'as jamais donné à manger. Il ne t'a jamais rien demandé. Donc, quand il dit je te maudis, tu es maudit, tu es maudit, c'est des paroles en l'air qui retournent contre toi. Ça n'a pas d'effet. Bon, après, tout le monde ne sait pas ça. Hein. Les gens ne savent pas ça. Ils savent que, ils croient qu'en le disant, ils te font du mal. Mais ce sont des Goliaths. Ce sont des Goliaths, frères, sœurs. On va laisser Ado se reposer. Fatima même, ou bien je ne sais pas quoi, qui est venue parler d'Ado là. Elle-même là, elle a disparu. Elle est partie dormir. Elle a vu que ce qu'elle a créé là, ce n'est pas bon. Elle est partie. Donc, ce soir là, je vous en prie, laissez le président se reposer. Il est fatigué. Tous les jours, on est sur son dos là. Ce n'est pas bon. On va laisser Ado se reposer. Il n'a qu'à se reposer. C'est un être humain. Ah! Là, on a besoin de dormir un peu, se reposer. On va l'enlever dans notre prédication. Et on va parler des choses sérieuses. Quel est le Goliath de ta vie? Qu'est-ce que tu traverses comme épreuve? Qu'est-ce que tu traverses comme difficulté? Quelle est la situation qui te fatigue? Quelle est la situation qui est devant toi, qui ne veut pas te laisser évoluer? Qui veut t'empêcher d'avancer dans ta vie? Quel sorcier, quel mystique qui veut t'empêcher d'avancer dans ta vie? Frère, si tu ne peux pas affronter Goliath, tu ne peux pas avoir la victoire. Ton histoire ne peut pas changer. Je vais encourager une personne ce soir. Peut-être que tu es en train de vivre. Peut-être que toi, tu ramasses des morceaux de fer, tu envoies à la casse. Mais dans ta tête, tu as un projet. Tu te dis, moi, un jour, je vais avoir mon garage. Il faut te dire que ça va se réaliser un jour. Peut-être que tu es juste quelqu'un qui balaie la rue. Mais tu te dis, un jour, je vais avoir mes maisons en location. Je vais construire des résidences. Sache que tu peux le faire. Peut-être que toi, tu es en Afrique. Tu te dis, je vais aller en Europe pour continuer telle formation, pour faire tel travail, puis venir un jour faire telle chose dans mon pays. Il ne faut pas croire que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire. Ce qui est devant toi qui t'effraie là, ça s'appelle Goliath. Ce qui est devant toi qui te fait peur, ça s'appelle Goliath. Ce qui est devant toi, qui veut t'empêcher d'avancer, ça s'appelle Goliath. Mais il faut que tu puisses affronter ça. Il ne faut pas faire demi-tour. Voilà. Voilà un autre qui est venu encore. Bon, quand tu dis à quelqu'un il est vilain, puis on regarde ta photo, toi-même, tu es trop vilain. Et puis tu viens dire à quelqu'un il est vilain, comment on peut parler à toi? Attendez, je vais le bloquer. Je vais l'enlever de là. Parce que si on l'enlève pas de là, il va croire qu'il est important. Voilà. Ceci là, il y a des gens qui sont bêtes. Ils ne sont pas là à l'école. Ils ne savent pas lire. Leurs oreilles là, il y a des animaux bizarres dedans. Il y a des démons dans leurs oreilles. Donc quand tu envoies des bonnes paroles, les démons mangent les bonnes paroles. Ils n'entendent que les mauvaises paroles. Donc, et puis le pays là, la Côte d'Ivoire devient bizarre. Hein. Il y a des gens qui ont bu du sang avant, d'autres qui ont mangé l'intestin de leur ami, d'autres. Donc, tu vois, il y a des cannibales, des zombies, des gens bizarres, bizarres dans le pays. Donc, quelqu'un comme ça, là, quand c'est mieux, il faut le bloquer. Voilà. Il faut le bloquer. Voilà. Il faut le bloquer. Voilà. Donc, Goliath, c'est la difficulté. Le preuve qui est devant toi, Goliath, c'est ce qui va venir t'empêcher de réussir dans ta vie. Ton Goliath peut être ton meilleur ami. Il est jaloux de toi. Il ne veut pas que tu réussisses, mais tu ne sais pas. Un jour, tu dois l'affronter. Ton Goliath peut être ton patron. Il a vu tes qualités. Il ne veut pas qu'un jour, tu deviennes patron.
comme lui. Mais tu dois affronter cette épreuve. On n'affronte pas Goliath dans la chair. On n'affronte pas Goliath avec les muscles. On affronte Goliath avec le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. On affronte Goliath avec la foi. Pour vaincre Goliath, il te faut la foi. Pour vaincre Goliath, il te faut la persévérance. Et pour vaincre Goliath, il te faut le nom de Dieu. On va prier. J'ai pris du temps. On va prier. Parce qu'il y a des gens qui ont fait, on a rigolé jusqu'à on a pris du temps pour rien. On va prier. N'oubliez pas ceux qui ont ces plantes-là. Si vous arrivez à avoir cette plante ou cette plante, contactez ma secrétaire. Son numéro est sur l'énoncé du direct. Ou bien, vous, si vous avez mon numéro, me laissez un audio. On va prier. Je veux que quelqu'un tende la main vers son écran. Tends ta main vers ton écran, on va prier. Il est tard, on va arrêter le direct. On va prier, on va aller vers la prière maintenant. On a perdu un peu de temps avec les Fatouma qui sont venus nous provoquer. On a rigolé un peu. Maintenant, on va prier. On va prier le Seigneur. Je prends du temps pour faire les directs de prière dans ces temps-ci parce que j'ai vu que je prends aussi trop de temps pour les problèmes politiques et mes enfants spirituels ont vraiment besoin de moi et je ne peux pas les priver de la prière. Ce soir, tu vas tendre ta main vers moi et je bénis tous ceux qui me laissent. Je bénis tous ceux qui me laissent des audios de témoignages. Je bénis tous ceux qui me laissent des audios de témoignages. J'ai des audios de témoignages. Je pense que je vais faire un direct. Je vais faire un direct un jour où je vais mettre... Là, il est déjà trop tard. Mais je vais faire un direct un jour où je vais mettre que des audios de témoignages. Je vais mettre que des audios de témoignages. Ça va édifier les gens. Voilà. Ah, comment ça se fait? Il y a Facebook. Ok, aujourd'hui, ça ne va pas être possible. J'ai tellement de témoignages en audio. Je vais faire un direct un jour où je vais mettre des audios de témoignages. Et je bénis mes enfants qui m'envoient des audios de témoignages. Parce qu'ils voient la main de Dieu dans les actions prophétiques. Que Dieu vous bénisse, parce que c'est bien de savoir ce que Dieu fait pour vous. Donc maintenant, tends la main vers moi. Tends la main vers ton écran. Maintenant, pense à ce que tu veux dans ta vie. Et pense aussi à la difficulté qui est devant toi, qui veut t'empêcher d'avoir ce que tu veux. Pense à ça. Pense à ce que tu veux. Pense à ton vœu, à ton projet. Et tu penses aussi à l'épreuve qui est en train de t'empêcher de réaliser ce que tu veux réaliser. Je vais prier. Je vais prier. Est-ce que tu as tendu la main? Je vais prier. Voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Nous allons faire notre exercice que nous avons fait la dernière fois pour ceux qui me suivent. Prends la position que tu veux. Maintenant, tu retires ta main de l'écran. Seigneur, bénis cette main qui s'est présentée à cet écran au nom de Jésus. Assis-toi ou lève-toi ou prends la position que tu veux.
Et je veux faire quelque chose avec toi ce soir. Nous allons méditer ensemble. Je veux que tu ne penses à rien d'autre. Que ce que tu veux voir réalisé dans ta vie. Tu veux quoi? Est-ce que c'est un voyage, un mariage, un bonheur, quelqu'un que tu veux, que tu... quelque chose que tu sais toi-même. Tu penses à ça. Tu vas penser à ça pendant quelques secondes. Pense à ça pendant quelques secondes. Tu penses à rien d'autre. Tu penses seulement au positif, à ce que tu veux, quelques secondes. Maintenant que tu as pensé à ça, je veux que tu commences à écouter maintenant ta respiration. Respire, inspire. Fais ça avec moi. Inspire, respire. Respire, écoute ta respiration. Pendant que tu écoutes ta respiration, que ta pensée soit seulement sur ce que tu veux voir réalisé dans ta vie. Fais-le. Inspire, respire, voilà, inspire, écoute ta respiration, je vais le faire avec vous, inspire, respire, inspire et pense à ta respiration, ne laisse pas tes pensées aller à gauche, à droite, ne laisse pas tes pensées aller à gauche, à droite, pense seulement à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, inspire. Respire, sois calme, sois posé. Ne laisse pas ta pensée se troubler. Reste posé, reste positionné. Inspire, respire. Laisse ta respiration t'orienter. Inspire, respire. Écoute ta respiration. Inspire, respire. Continue, tu vas voir que tu es en train d'être déchargé. Tu vas voir qu'il y a un poids qui est en train de partir. Tu vas voir qu'il y a un fardeau qui sort. Continue seulement. Écoute juste ta respiration. Fais ça, continue. Et tu penses à ce que tu veux. Fais ça, continue, continue, jusqu'à ce que je dise amen. Tu vois, le poids est en train de partir. Le fardeau est en train de partir. Tu sens que tu es en train d'être léger. Tu sens que tu es en train d'être léger. Il y a certaines personnes, mais ils ont envie de s'endormir pendant qu'ils font ça. Continue, inspire. Respire, respire. Pense à ta respiration. Si c'est le mariage, pense à ton mariage en même temps. Si c'est le voyage, pense à ton voyage. Si c'est la guérison, pense à cette guérison. Inspire. Respire, inspire, respire, inspire, respire, continue, 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 continue seulement, continue, n'arrête pas, continue, 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 inspire, respire. Continue, inspire, respire. Si tu avais une douleur, cette douleur est en train de sortir. Si tu avais une douleur, cette douleur est en train de sortir. Inspire, respire. Si tu avais une douleur, cette douleur est en train de sortir. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je suis sûr que beaucoup de personnes ont reçu un soulagement. Je suis sûr que beaucoup de personnes ont reçu un soulagement. Que Dieu te bénisse, Amadou Ouattara. Les Nigériens sont tes frères. Voilà. Toi, tu es malien.
Si tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sache que tu es malien. Les Nigériens sont tes frères. Donc va au Nigeria, va au Burkina, va au Ghana, arrêtez ce genre de langage. Tu es africain, c'est l'essentiel. Tes deux enfants, tu as mis sur ta photo, Amadou Ouattara, ont besoin d'une bonne éducation. Il faut leur donner une bonne éducation. Ce genre de langage-là, tes enfants n'ont pas besoin de ça demain. Tu ne sais pas quelle femme il va marier demain. Si c'est un garçon, peut-être qu'il va marier une Nigérienne. Peut-être que, voilà. Donc, arrêtez ce genre de langage. On a tous la peau noire. Nigérien, Ivoirien, Malien, voilà. Donc, arrêtez ce genre de langage. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle sent le picotement dans ses mains, les pieds et les bras. Ok. Félix Palais dit escroc. Oui. Le jour que je vais peut-être avoir quelque chose de ta part, comme jusqu'à aujourd'hui, pour le moment, je ne te connais pas. Tu ne m'as jamais donné un franc, cinq francs. Donc, ces paroles n'ont pas d'importance. Le jour que tu vas m'envoyer quelque chose pour manger ou je vais avoir quelque chose de ta main, ces paroles auront une efficacité. Mais que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne nuit. Alors, il y a quelqu'un qui a reçu, qui dit qu'il a eu des picotements dans la main. Picotement dans la main. Voilà. Quelqu'un peut écrire. Écrivez ce que vous ressentez après ce moment. Écrivez ce que vous avez ressenti pendant qu'on priait. Si tu as ressenti quelque chose, il faut l'écrire. Si tu as ressenti quelque chose, il faut l'écrire. Voilà. Voilà. Écrivez ce que vous avez ressenti. Est-ce que tu te sens léger? Tu as senti une manifestation? Tu as senti quelque chose de particulier? Il y a une soeur qui dit qu'elle a reçu des picotements. Voilà. Il y a une soeur qui dit qu'elle bâillait. Elle était en train de bâiller. Le bâillement, c'est une manière aussi de se vider. Le bâillement, c'est une manière de se vider. Voilà. C'est-à-dire que le poids, le fardeau, quand ça sort de toi, tu peux bâiller. Ça, c'est bon. Voilà. Le bâillement, c'est ça. Donc, voilà, voilà, voilà. Si vous avez ressenti quelque chose, vous pouvez écrire. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse ce soir. Je veux encourager chacun de vous. Il faut que je sois, vous voyez, je ne peux pas dire qu'il faut que je sois un exemple pour vous. Parce que je ne suis pas Dieu pour être exemple de quelqu'un. Mais si vous remarquez, il y a des gens qui sont assis chez eux et se disent, mais comment le monsieur l'a fait pour tenir? On l'insulte, on l'agresse, même quand il est en train de prier pour les gens. Les gens viennent l'insulter. Mais je suis toujours la même personne, je suis là. Même maintenant, même je l'ai béni même. Je l'ai béni. Il y a une soeur qui dit elle se sent légère. Vous savez pourquoi? Parce que je sais où je vais. Je sais sur qui je compte. J'ai une destinée bien tracée. C'est-à-dire mon esprit est tranquille. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu ne sais pas qui tu es, n'importe qui peut te... Il y a des gens aujourd'hui, si tu les insultes, ils ne vont plus sortir de leur chambre, de leur maison. Parce qu'ils vont croire qu'ils sont sales. Mais la vie, quand tu sais d'où tu viens, quand ton cerveau est purifié, préparé et posé, il y a des choses, ça ne t'atteint pas. Il y a une soeur qui dit qu'elle a une paix intérieure. Bon. Par exemple, sur un direct de prière comme ça, quand quelqu'un vient et puis il t'insulte, d'après vous, le but, c'est quoi? Parce que la personne t'a déjà vu dans des directs de Guinzenli ou autre, où tu parles. Donc, il s'est dit, je vais aller mélanger leur truc là. C'est le diable qui l'envoie. Alors, si toi, tu t'énerves, et puis tu es dans ton direct de prière, tu commences à insulter quelqu'un, c'est que ce que tu es en train de faire n'a plus de sens. Ça, c'est une œuvre du diable. La personne même qui a écrit ça a été poussée par un démon. C'est un démon qui lui dit, va l'insulter. Va dire ça. Va faire ceci. Mais
comme moi je sais, prenez cet exemple-là, c'est très important. C'est très important. Quand vous avez un but, allez-y à votre but. Quel que soit tout ce qui se présente, allez-y à votre but. Donc, il y a quelqu'un qui dit que elle a eu, je ne sais pas quoi là, elle se sent légère. Ahmed Keïta, je ne comprends pas ton commentaire. C'est une maladie de quoi? D'épilepsie ou quoi? Ce que tu as écrit là, je ne comprends pas. Voilà. Donc, là, il est tard. Il est tard. Donc, s'il y a encore des commentaires, vous les laissez. Et puis, on va voir. Il est tard. Est-ce que parmi toutes les personnes qui écoutent, il y a une femme qui a un problème de ventre, qui a un problème des règles douloureuses? Règles douloureuses ou fibromes. Est-ce que parmi toutes ces personnes qui écoutent, il y a une femme qui a surtout comme je vois une boule, qui a surtout des fibromes, un fibrome dans le ventre. Et voilà. Il y a Mahomet Fouchimi qui dit ses paumes chauffent. Je demande à l'Esprit de Dieu de continuer à agir. L'Esprit de Dieu est en train de me dire quelque chose. Jésus, quand il était sur la terre, il y a des gens qui l'ont traité de satanique. Ils ont dit que Jésus chassait les démons par Satan. Ils ont insulté Jésus, ils l'ont traité de tout. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me dire ça. Voilà André Diamant qui me dit, ne t'occupe pas. Ça tombe très bien parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Les gens traitaient Jésus de satanique, de démoniaque. On dit que ce qu'il fait là, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Bon, s'ils ont fait ça à Jésus, qui moi je suis pas? C'est-à-dire, entre moi et Jésus là, qui est important? S'ils ont fait ça à Jésus lui-même, c'est pas à moi, on peut faire encore pire. Jésus lui-même, on dit, il était plus saint que tout. Donc moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Donc bon, ça, c'est pas important. Je vais voir les commentaires. Ok. Alors, j'ai demandé une femme qui a fibrome. Une femme qui a fibrome, qui a des saignements ou qui a fibrome, de douleur dans le ventre. Je vais faire un cadeau à cette femme ce soir. Je vais prier spécialement pour elle avant de terminer le direct. Une femme qui a fibrome. C'est pas grave, tu vas le sentir prochainement. Christophe, tu vas sentir ça prochainement, c'est pas grave. C'est pas tous les jours que chacun a sa grâce et il y a le temps de grâce pour chacun. Ok. Je vais faire une prière pour terminer ce direct parce que là vraiment il est tard. On est en train d'aller, il est 23h36. Donc, picotement dans les côtes, le dos et les plantes des pieds. Inda Sumbunu. Que le Seigneur continue ce qu'il a commencé. Voilà. Si vous avez des commentaires, même si le direct est fini, vous pouvez les laisser. Je prie vraiment que la main de Dieu soit sur vous, que l'Esprit de Dieu soit sur votre vie. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta foi, quelle que soit la personne que tu es, même si tu n'as jamais mis pied à l'église, tu n'as jamais mis pied dans une mosquée, quel que soit le mal que tu as fait dans ta vie, quelles que soient les erreurs que tu as faites dans ta vie, je prie que Dieu ait pitié de toi aujourd'hui. Que toute personne qui est en souffrance, qui traverse une épreuve, une difficulté qui va tomber sur cette vidéo, reçoive le miracle dans sa vie. Je prie que les anges de mon autel se lèvent et fortifient la vie de toute personne qui m'entend. Je prie que les femmes veuves qui entendront ma voix dans ce direct reçoivent un apaisement, que les orphelins soient apaisés et réconfortés. Je prie que la grâce de Dieu soit sur la personne qui a une vie bloquée. J'appelle la prospérité, j'appelle la richesse, j'appelle l'élévation.
Je prie que la bénédiction soit sur la vie de quelqu'un. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant fortifie une personne aujourd'hui et que cette personne la rentre dans une nouvelle dimension de grâce. Que la paix vous accompagne en toutes choses, que la bénédiction vous affranchisse en toutes choses et que l'éternel ne cesse d'agir en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs, passez une bonne nuit. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci d'avoir été là. Partagez le direct. Continuez à le partager à vos frères et sœurs. On reste en contact. N'oubliez pas ces deux éléments. N'oubliez pas cette plante. C'est une plante très efficace pour les actions prophétiques, pour la prospérité et tout ça. Ça aussi. Voilà. Si quelqu'un arrive à voir ça, contacte ma secrétaire ou laisse-moi des audios. Comme ça, je vais te donner l'action prophétique à faire. Voilà. Et je me prépare pour entrer dans un moment de jeûne bientôt. Je vais vous donner le moment. Et puis ceux qui ont des sujets de prière, vous allez me les envoyer. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Peut-être qu'on va se retrouver encore demain. Voilà. Parce que comme je vais effectuer un petit voyage bientôt, chaque jour, j'essaie d'avoir un peu de temps avec vous, prier avec vous. Parce que je vais avoir peut-être un petit moment de silence. Voilà. Donc, c'est pourquoi chaque fois, je fais au moins un direct pour qu'on puisse prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Shalom.